Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Reggio, et donc je vous retrouve pour le stage numéro 5 de Axley, qui est le stage de la lave. Alors, sachez que ce stage-là n'est pas forcément trop compliqué, de bien faire attention. Et là, on va utiliser le deuxième type de bombe, qui est l'explosion bomb. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, le stage de lave est magnifique, c'est un superbe stage. Par contre, vous avez l'environnement qui vous déteste, mais un point, vous imaginez même pas. Alors, ce stage-là, il y a beaucoup de trucs qu'il faut que je vous dise, notamment les vers géants que vous voyez, ce ne sont pas vos amis. Dès que vous voyez, pareil, toujours les trucs au niveau du sol qui attaquent vers le plafond, c'est toujours pas vos amis non plus. Et en fait, c'est fourbe parce que ça n'attaque pas un point, ça attaque toute la colonne. Donc en fait, vous pouvez pas vous mettre, on va dire, un petit peu en arrière ou un petit peu devant au niveau de la base, ça vous attaque. Donc faites gaffe à ça. Tous les ennemis qui sont ici sont pas forcément trop résistants, ils prennent bien cher. Par contre, vous allez voir qu'il y a deux types d'ennemis qui vont être assez relous et qui vont être assez redondants. Cette vidéo, je l'ai faite il y a 3 mois. 3 mois, donc ça va. Ces boss-là, c'est pour ça que j'étais obligé d'utiliser le Bomb Explosion. Parce qu'en gros, vous leur balancez des bombes et ça fait des explosions qui durent. Ces explosions qui durent pètent tout. Ça pète les rochers qui sont autour d'eux, ça pète la structure. Et voilà, alors, on est à peu près au milieu du stage, vous allez avoir les dragons dorés. Les dragons dorés, fumez-les au plus vite. Parce qu'en gros, ces trucs-là vous poursuivent. Ils vous font des drifts, mais d'enculés. Et ils continuent même quand ils sortent de l'écran. Donc dès que vous pouvez, vous les assénez de coups, vous leur tirez dessus à bout portant, à point blank, comme on dit. Et en fait, vous allez surtout vous méfier de tout ce qui est morceaux rochailleux. Parce que ça peut sortir des rochers. Heureusement que je l'ai eu un peu, parce que sinon il allait revenir. Là sur la droite, il devrait y en avoir un, il me semble, tout devant. Non, il n'y en a pas, ça là. C'est la nerf. Pareil, ça, si vous voulez, c'est une petite référence à Dune, qui est un film qui est sorti il y a longtemps. Morceau de rocher, vous avez un dragon. Dune qui est vraiment très bien. Ils en ont refait un remake, qui est pas forcément mieux. Mais projetez-vous un peu dans les années 80-85, si je dis pas de bêtises, et vous allez arriver sur un film de science-fiction qui est vraiment génial. Je vous le conseille. Un peu gore, un petit peu gore, mais plutôt sympa. On arrive sur la fin du stage, on n'a plus de dragon à ce moment-là. Si, il y en a à la fin. Oui, je suis en contradiction constante avec moi-même, c'est pas évident. Vous voyez, en fait, avec le Needlecracker, il n'y a pas forcément beaucoup de trucs à esquiver. Pareil, comme je vous disais, quand on est en mode 7, il n'y a pas forcément beaucoup d'ennemis. C'est surtout, on voit la beauté du jeu. Vous voyez, dès qu'on arrive sur les arches de feu, vous savez que vous arrivez sur la fin. Avancez-vous, par contre, sur le niveau de la fin. Vous voyez qu'il y a des monstres qui surgissent, qui surrégissent. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que sur ces petits scarabées-là, ce sont les seuls monstres qui peuvent avoir leur tir coupé avec les vôtres. Voilà. Le boss, le golem de lave, comme je l'appelle. Alors, ce boss-là n'est pas... il est chiant, il est assez dur. Dans le côté, vous allez voir que ses mains, en fait, vont vous forcer à vous mettre à un certain spot, en fait. Mode 7, super exploité, c'est super joli. Vous devez toucher son pectoral gauche. Ses mains, en fait, vous allez voir, elles vont faire 2-3 attaques. Elles vous balancent des cailloux, surtout des petits cailloux de merde, comme ça. Il va vous faire des petites pointes comme ça, il va essayer de vous toucher, tout ça. Vous voyez, vous êtes obligé de faire des micro-esquives. Et en fait, la plupart du temps, quand j'ai recommencé ce stage-là, c'est pour ça que je m'en rappelle bien comme il faut, il faut bien esquiver. Quand il met ses deux mains devant lui comme ça, il se prépare à vous envoyer un rayon. Donc vous vous mettez un peu d'un côté, vous tournez au moment où il s'arrête et... boss fini. Une petite vie sur la fin. Adieu, golem de lave. C'était sympa de t'avoir rencontré. Des bisous. Porte-toi bien. Bah voilà pour moi. Ah bah écoutez, ce stage 5 est terminé. On va se retrouver pour le stage 6, qui est une vraie plaie au cul. Voilà. Donc stage 6, je vous retrouve pour la dernière vidéo de Perfect Axley. Je vous fais tout plein de bisous. Portez-vous bien. Et puis, merci beaucoup d'être passé. Et voilà, des bisous. Ciao, ciao.